Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Rose. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Wakandairo, bonjour mon frère, bonjour à toi. Content de savoir que vous êtes là ce matin. Ouais, Gigi, salut, salut. Salut, salut à vous. Bonjour, bonjour, Gigi, bonjour. Hello, gars. Salut à tous mes amis, à tous les frères. On partage le live, on le protège au cas où. De toute façon, moi, on ne me bloque pas. Moi, on ne bloque jamais mes lives, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on ne me bloque pas. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, salut. Hello, Florian. Invitez les combattants, invitez les frères, invitez les sœurs. Invitez, 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 invitez. Nous sommes ce matin, je ne sais pas si chez vous c'est férié. Ici en Allemagne c'est férié aujourd'hui.
Je sais pas pour quelle raison, mais bon, bref, c'est férié. Et comme c'est férié, en général, nous faisons les choses que nous, qui nous tiennent à cœur. En général, nous faisons des choses qui nous tiennent à cœur. Et Gamata dit férié en allant. Ok. Donc, en général, nous faisons des choses qui nous tiennent à cœur. Et ce qui nous tient à cœur, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'instauration d'un réel état de droit, un véritable état de droit au Cameroun et une réelle démocratie. Et j'aimerais que je m'en fous, ah, il y a vendredi et dimanche de Pâques sont toujours fériés. Ah, ok, c'est la Pâques, ok. Ah, ok. Donc, l'instauration d'un réel état de droit et une réelle démocratie au Cameroun, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ça me tient à cœur et je ne veux pas savoir s'il y a la démocratie dans le monde. Je ne veux pas savoir si le monde est vraiment, il y a un pays qui est démocrate ou s'il y a un état qui est démocrate ou bien qui est un réel état de droit. Ça, ce n'est pas ma question. Je ne veux pas savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui l'est déjà. Je veux l'instaurer. S'il n'y a personne d'autre, je veux l'instaurer. Je veux faire partie de ceux qui veulent créer ça pour la première fois au monde. Et c'est un grand rêve. C'est quelque chose de grandiose d'être, de faire partie d'une réalisation première dans le monde. Donc, vous faites partie de l'histoire. Donc, ceux qui donnent toujours les arguments pour dire que ceux qui donnent les arguments pour dire ok, non, c'est pas nouveau, le Cameroun n'est pas le premier, de toute façon, il y a la démocratie où et qu'on sort. Ça, ce sont des arguments de ceux qui ne veulent pas adhérer à des grands objectifs. Ceux qui veulent se contenter des petits objectifs, des objectifs qui sont minables en général, et qui sont moins intéressants, moins challengeants que ça. Donc, bonjour et merci à vous d'être là ce matin. Et merci que vous soyez debout, que vous ayez respecté mon appel, parce que j'ai annoncé ce matin que je ferai live tout à l'heure à 10h. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui se sont ouverts à ce que je transmets, à mon message, à ma façon, à ma vision, et à ma façon d'expliquer le Cameroun aux Camerounais. Parce que je suis d'avis que nous ne pouvons rien faire sans comprendre ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien faire sans avoir la maîtrise de ce que nous faisons. Comprendre est nécessaire dans notre vie de tous les jours. Je veux comprendre comment fonctionne ma boîte, mon réchaud électrique, pour savoir comment l'utiliser. Si je veux baisser le feu à 10 degrés, je le baisse à 10 degrés. Si je veux le monter à 100 degrés, je l'augmente à 100 degrés. Mais si je prends mon réchaud électrique et je le laisse entre les mains d'un pygmée de Bipindi ou de Lolodolf, puisqu'il ne comprend pas comment ça fonctionne, il va tourner des boutons, certes, puisqu'il verra des boutons. Il va les tourner, mais il ne saura pas quoi faire. Peut-être il veut mettre à 0 degré, il veut que ça ne chauffe pas trop, mais il va tourner à 100. Et sa mamite va brûler, il va crier, oh, ma mamite a brûlé. Pourtant, j'ai mis le feu. Pourtant, j'étais là. Pourtant, non, c'est parce qu'il ne savait pas comment utiliser. Il ne comprend pas comment ça marche. Donc, je suis d'avis que dans tout ce que nous faisons, c'est comprendre. Comprendre est très important. Mais la compréhension vient de la totale observation. Bonjour Mafo, bonjour Evelyne, bonjour Jeannette.
Florian qui fait un commentaire en disant « Vraiment, ils sont perdus les Camerounais. » C'est le peuple camerounais qui fera le code électoral au Cameroun. Ah ouais, c'est le peuple camerounais qui le fera. Le peuple camerounais le fera. Ça, c'est sûr. Bonjour, bonjour à tous. Donc, pour comprendre quelque chose, il faut observer cette chose pendant longtemps. Pour apprendre, afin de voir les tenants et les aboutissants, les causes et les effets, les liens entre ceci et cela. Voyez un peu. Et lorsque tu as compris comment la chose fonctionne, tu comprends le système, comment il fonctionne, tu sais quoi faire. Tu sais quoi, quel bouton appuyer, où passer, comment fonctionner, comment te déployer. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui sont contre la compréhension, qui pensent qu'on peut agir par compulsion, de manière compulsive, et que la manière compulsive d'agir serait la façon de vraiment bien agir. Je pense que non. Certes, dans les moments de danger, si on vous dit par exemple que votre maison brûle, qu'il y a un feu qui est en train de prendre, si vous constatez que la fumée sort déjà de tel coin et le feu est en train de brûler, en général, même si vous ne savez pas sauter 10 mètres, de manière compulsive, vous allez sauter la maison, vous allez sauter par la fenêtre. Vous allez voir même un infirme se déplacer. Il court plus que vous dans les moments de danger. Donc, dans les moments de danger, c'est notre subconscient, l'instinct de survie qui prend le dessus. Et lui ne demande pas notre accord. Il ne demande pas si nous sommes pacifiques. Il ne demande pas si nous sommes des guerriers. Il ne demande pas si... Non, lui, il prend le dessus. La question doit être de savoir, est-ce que les Camerounais ont atteint l'instinct, le niveau où leur subconscient prend le dessus. En général, lorsque vous sautez, il y a danger. L'immeuble prend feu. Vous êtes 100 personnes dans l'immeuble. Lorsque vous sautez de l'immeuble, lorsque vous prenez, vous sautez de l'immeuble. Ce qui vous intéresse n'est pas si vous allez atterrir sur les autres êtres humains. Ce qui ne vous intéresse n'est pas est-ce que je vais cogner quelqu'un. Vous devez descendre des escaliers en courant. Vous n'êtes plus intéressé si vous êtes en train de marcher sur les morts ou sur des vivants. Vous voulez sauver votre vie. Au moment de danger, au moment d'intense danger, c'est votre vie qui est importante. Ce n'est pas la vie des autres. Parce que l'instinct animal ne sait pas protéger la vie des autres. L'instinct animal se protège. Ce qu'on a plus appelé l'ego. L'ego se protège. Il veut survivre. Il ne pense qu'à lui. Donc, quand il fait face au danger, en général, il ne prend pas conscience de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Est-ce qu'il marche sur les gens? Est-ce qu'il marche sur le sang? Est-ce qu'il marche sur les corps? Non. Voilà pourquoi le régime Biya se comporte comme un régime qui est tout le temps en danger. Le régime Biya est tout le temps en danger. Son pouvoir est tout le temps en danger. Il est stressé tout le temps. Il n'a pas le temps de réfléchir. Est-ce qu'il écrase les Camerounais? Chaque petit soulèvement, chaque petite rencontre, chaque petit rassemblement du peuple camerounais est vu comme un possible renversement de son régime. Parce que son régime est frêle. Il a créé une condition au Cameroun, une condition de jungle dans laquelle lui-même, il n'arrive pas à trouver le repos, il n'arrive pas à trouver la paix, il n'arrive pas à trouver l'aisance. Mental, psychologique, il n'arrive donc plus à gouverner.
Est-ce que les Camerounais peuvent... Est-ce qu'on peut éduquer un peuple à famille? C'est la question qui est posée. Je la réponds pourquoi? Parce que j'ai suivi le live, un live reporté, je l'ai suivi ce matin quand je me suis levé. J'ai suivi le live de mon frère Calibri et il a apporté des arguments qui sont nets. Et il a développé des idées. Et d'ailleurs, je l'ai suivi pas parce que c'est que j'étais tagué, quelqu'un a tagué mon nom, un ami a tagué mon nom sur ce point. Sur ça, et je me suis dit, hein, faut qu'on tague. Et puis je pars, ah, je trouve que c'est le life de Calibri, Calibro. Comme je vous ai dit, le plus important pour moi, ce ne sont pas les personnes. Donc, prenez bien en compte ce que je vais dire. Et ne transformez pas ce que je vais dire en des guerres de personnes. Je suis quelqu'un qui combat dans les idées, qui écoute les autres et qui remet les idées en critique. Parce que je veux construire. Moi, je veux construire. Je veux construire dans les idées. Je ne veux plus laisser les idées se propager, se pavaner comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que le peuple camerounais a, c'est qu'on a laissé les gens parler n'importe comment. Ces gens étaient bien intentionnés, mais ils n'ont pas compris que ce qu'ils disent a un effet dans le subconscient du peuple camerounais. Donc, ils ne connaissent pas les aboutissants, les tenants qu'ils ont. Ils disent des choses, mais ils ne savent pas que peut-être ce qu'ils disent, même ce qui roule la farine, ils ne le disent pas parce qu'ils veulent rouler la farine. Ils sont juste ignorants, en fait, de certaines choses. Le frère Calibri disait que, demandait est-ce qu'on peut éduquer des affamés? Est-ce qu'on peut éduquer un peuple affamé? Je vais répondre à cette question par non et oui. En fait, un homme qui a faim, un homme qui a affamé, ne demande que de manger. Un homme qui a affamé, qui a faim, ne demande qu'à manger. Un homme qui a faim ne demande qu'à manger. Ne demande pas plus. Après qu'il ait mangé, il demande autre chose. Donc celui qui va éduquer un homme qui a faim perd son temps. Celui qui se lance dans l'éducation d'un homme qui a faim perd son temps. Que veut dire avoir faim? Je parle basiquement d'avoir faim. Ça veut dire que ton ventre est vide, que tu n'as pas mangé. Et le corps réclame la nourriture. À cet homme, tu peux lui parler de toutes les philosophies du monde, toutes les résistances. Tu peux lui demander de sortir dans les rues. Tu perds ton temps. Donc je ne comprends pas la question. Quand Calibri Calibro qui demande au peuple de se soulever s'adresse à un peuple qui a faim. Mais il ne comprend pas qu'un peuple qui a faim n'écoute même pas la parole de soulèvement. Un peuple qui a faim n'écoute, n'entend même pas Calibri Calibro parler et l'appeler au soulèvement. Il se soulève comment? Il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Son ventre est vide. Il n'a pas d'énergie. Donc, il ne peut pas se soulever. Même s'il faut les appeler à aller dans les rues, ils ne peuvent pas. Bonjour, Ngompe, Ngomepe. Claire. Bonjour. Il ne peut pas. Une des choses que nous avons, nous souffrons aussi dans la diaspora, et c'est général.
Parfois, lorsque nous avons quitté le pays et que nous venons dans la diaspora, nous avons souvent l'idée que nous vivons mieux. Nous avons quitté nos pays. Vous venez chercher une vie meilleure. N'est-ce pas? Et pour prouver à nous-mêmes que nous ne sommes pas venus, pour rien ici, on a tendance à vouloir présenter aux gens du pays que nous avons quelque chose de meilleur. Que nous sommes mieux qu'eux. Parce que nous avons dit que nous avons quitté ce pays parce que c'était mauvais. Les raisons pour lesquelles nous donnons chaque fois que nous avons quitté le pays, c'est que on voulait me tuer. Je ne mangeais pas, je n'avais pas le travail, je n'avais pas. Alors lorsqu'on vit en Europe, ça serait stupide de dire aux Camerounais qui sont restés au Cameroun que ta vie n'est pas meilleure. Ce serait stupide. Et pour leur prouver que nous sommes des gens spéciaux dans la diaspora, ou bien la diaspora est spéciale, on va leur dire que vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas. C'est la seule façon pour nous. Je dis hormis la politique, quittons un peu le cercle politique, politicien. Allons dans la vie de tous les jours avant que Camtonien vienne avec ses problèmes. On disait déjà ça. Que on causait avec nos familles. Mais regarde, si on nous appelle, tu me vois là vraiment. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ah oui, moi j'ai mangé. Toi pas, 4 fois. Parfois on appelait, ils nous disent même, on commence à leur expliquer ce que nous on a vécu, ce qu'on a mangé ici, ce qu'on a bu, le saucisson, le jambon, on a le porc, le poulet, à volonté. Les choses qu'on mangeait rarement au Cameroun. Mais si on mange ça à volonté, on commence à... on explose. Cet ego est resté. Et cet ego, quelque part, je ne dis pas que c'est faux, qu'on n'a pas plus de choses que eux, qu'on n'a pas plus de possibilités qu'eux. Mais on a creusé, on a perdu l'objectivité dans la façon de percevoir le problème politique au Cameroun. En fait, en réalité, les Camerounais ne manquent pas de quoi manger. Je vous ai déjà dit ça. Les Camerounais n'ont pas faim. Les Camerounais n'ont pas faim. Sinon, les Camerounais n'allaient pas voter Maurice Kamto en 2018 et gagner. Les Camerounais n'ont pas faim, attention. L'idée que nous portons que les Camerounais ont faim, parce qu'un monsieur s'est dit, il a pris l'exemple d'un monsieur chez Kinox qui disait que les Camerounais peuvent se nourrir avec 200 francs ou 250. Mais ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas faux. Je vous dis pourquoi ce n'est pas faux. Le niveau économique des pays dans lesquels nous sommes, et le niveau économique des pays dans lesquels le Cameroun est, la qualité de vie, la façon de percevoir la vie de nos pays, des pays dans lesquels nous sommes, et ceux dans lesquels nos frères sont en fait opposés. La façon dont le Camerounais perçoit manger, la nourriture, est différente de la façon dont un Français le perçoit. Ce que veut dire manger. Et d'ailleurs, c'est facile de manger au Cameroun. Pas parce que tu as l'argent. Parce que tout pousse partout, facilement. Parce que nous sommes au Cameroun, les Camerounais sont communautaires.
On se soutient les uns et les autres. Le peu que celui-ci a, il me donne un peu, il donne un peu, il donne un peu, il donne un peu. C'est notre façon de fonctionner. Ça soude les liens sociaux. Le filet social est tellement soudé. Qu'avec 250, un Camerounais peut manger la nourriture normale qui coûte 500 ou 600 francs. Ou 1000 francs, qui coûterait 500 ou 1000 francs. Donc lorsque il dit qu'on mange avec 250, il n'est pas forcément en train de mentir. En fait, il est en train de vous dire quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Mais nous, nous sommes d'habitude, quand on écoute les gens, on les prend au premier degré, ça veut dire qu'on les juge aux paroles. On ne va pas profondément dans la réflexion quotidienne. Dans la réflexion, il voit d'où est-ce que lui tire cette idée. Pourquoi lui, il pense comme ça? Non, on vient, on dit, pap, c'est pas bon, pap, je bloque, je n'écoute plus ça, c'est faux, il ment, c'est terminé. Pourquoi il pense comme ça? Je cause souvent avec des collègues qui sont des Roumains, qui sont des gens de l'Europe de l'Est en général. Et ils me disent que ils viennent travailler ici parce que la vie est moins chère chez eux. En fait, lorsqu'ils ont 1000 euros ici, ils peuvent s'offrir beaucoup de choses. Parce que les valeurs que les gens ont chez eux, la valeur du terrain, la valeur de la nourriture est différente. Et c'est la valeur que les gens ont de la vie qui détermine leurs décisions économiques, leurs décisions dans la vie en général. Vous pouvez difficilement trouver un terrain acheté en Allemagne si vous avez 10 000 euros. 10 000 euros. Vous ne pouvez pas vous acheter un terrain en Allemagne. Enfin, vous ne pouvez pas vous acheter même un pantalon. Mais avec 10 000 euros, vous pouvez vous acheter 3-4 terrains au Cameroun. Parce que les gens là-bas ont donnent une autre valeur au terrain, une autre façon de fonctionner, de vivre. Que ce qui fait en sorte qu'ils ne perçoivent pas, la valeur n'a pas le même, l'argent n'a pas la même valeur. Et leur vie n'a pas la même valeur. Lorsqu'un Camerounais a mangé un plat de riz, un poisson, je ne sais pas quoi, 50, 200, les beignets le matin. Marcher en route, il est content, il vous dit que vous voulez qu'il changement, qu'il vienne quoi. Pourquoi il doit se lever? Pourquoi il doit se lever? Il doit se lever pourquoi? Parce qu'il a atteint ce que sa valeur lui dit. Il a mangé avec 250. Et il va se débrouiller d'un moment, il va avoir un peu, 2 bières, 3 bières. Il va aller se coucher. Il va faire des enfants. Il va se reproduire. Il va se reproduire et c'est sa maman qui va prendre soin. La famille va prendre soin de ses petits rejetons. Et sa femme sera avec lui. Ils vont bagarrer et puis ils vont se mettre ensemble. Ils vont continuer. Un jour, tu apprends qu'un est mort. On va l'enterrer, on va chanter les chansons de Dieu, c'est tranquille, c'est parti. C'est ça la vie, c'est ça la valeur que les Africains, particulièrement les Camerounais, portent de la vie. Donc lorsque nous disons que les Camerounais sont affamés, qu'un peuple affamé ne se lève pas, ne peut pas être éduqué, il faut d'abord qu'on questionne, est-ce qu'ils sont vraiment affamés? Est-ce que les Camerounais sont vraiment affamés? Avant de le dire, il faut qu'on regarde, est-ce que les Camerounais sont affamés? À mon avis, les Camerounais ne sont pas affamés. À mon avis, les Camerounais ne sont pas affamés. Le régime, les régimes dictatoriaux ont quelque chose de particulier, comme le régime Biya. C'est qu'ils savent que s'il laisse le Camerounais affamé, c'est l'instinct de survie qui va prendre le dessus. Si l'instinct de survie prend le dessus, ils vont exploser tout Yaoundé, tout le Cameroun. Ils ne sont pas bêtes.
Donc, il se rassure. Vous allez remarquer, chaque fois qu'il y a des petites plaintes de nourriture, de ceci est cher, ceci est moins cher, les impôts ont fait ceci, le gouvernement dictatorial du régime Biya se rassure qu'il laisse quand même ça. Pour que ça n'arrive pas. Ce que Calibri pense là. Pour que ça n'arrive pas. Donc il n'y a pas un peuple affamé. Intégrons d'abord ça. Le Cameroun n'est pas un pays où les gens sont affamés. Je sais que ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude. Je sais qu'on a tellement investi dans l'humiliation, la dégradation de l'image du Cameroun qu'on a perdu l'objectivité. Non, les Camerounais n'ont pas faim. Et parce que les Camerounais n'ont pas faim, donc on peut les éduquer déjà. Vous voyez? Parce que le président élu Maurice Kamto a constaté que le problème des Camerounais, ce n'est pas manger. Ce n'est pas remplir le ventre avec un plat de riz. En général, les problèmes politiques dans un pays naissent lorsque les populations commencent déjà à prendre conscience. Si vous voyez dans un pays des problèmes politiques commencer à prendre de l'ampleur, c'est que le niveau de conscience, les problèmes politiques dans les pays dictatoriaux, ça veut dire que le niveau de conscience et d'éveil est déjà plus grand qu'avant. Avant, dans les années 60, avec les Mongo, Oumyobé et tout ça, c'était un petit groupe qui était conscient. Quelques petits soldats dans la forêt, ici, par là, on les tuait. Mais avec le temps, le niveau de conscience des peuples a augmenté. Les peuples sont éduqués, les gens sortent, les Camerounais sortent, ils entrent, ils lisent, ils apprennent, ils conversent avec leurs frères. L'Internet est arrivé, la technologie, tout. Donc, le régime Biya ne pouvait pas contrôler cette avancée, cette évolution. Ce qui fait en sorte que les peuples ont compris qu'il ne suffit pas que de manger. On veut plus dans la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que lorsque l'être humain a faim, tout ce qu'il veut, c'est la nourriture. Tout ce qu'il veut, c'est manger. Mais dès qu'il mange, c'est terminé. Il veut plus. Ça, c'est ce que mon frère Calibri ne comprend pas. Un peuple affamé ne peut pas être, n'entend même pas. Tu ne peux pas éduquer un peuple affamé. Mais il faut d'abord se poser la question. Est-ce que ce peuple affamé, il faut observer la société camerounaise. Comment elle fonctionne. Les Camerounais vivent. Je veux dire, ils ont de quoi manger. Ça, même si vous dites quoi. Certes, il y a des gens qui ne mangent pas trois fois par jour. N'est-ce pas? Mais les Camerounais ont de quoi manger. La grande majorité qui est capable de se lever a de quoi manger. Et c'est parce qu'elle a de quoi manger qu'il devient difficile de la lever. C'est parce qu'elle a de quoi manger qu'il devient difficile de la convaincre à se lever. Et puis, à se lever pour casser, à se lever pour détruire, à se lever pour porter des armes, à se lever pour se révolter. Ça, c'est pire. Mais je dis même se lever. Il faut beaucoup pour qu'elle se lève. Parce qu'elle a déjà de quoi manger. Elle commence à réfléchir. Si je me lève, qu'est-ce que je gagne de plus? Si je vais casser, si je vais faire ceci, si je vais me revendiquer, qu'est-ce que je gagne de plus? J'ai déjà d'abord ceci.
qu'est-ce que je gagne de plus? Donc notre travail doit être dans inciter, attiser, attirer, leur montrer ce qu'ils gagneraient de plus. Pas les appeler à se lever parce qu'ils ont faim. Pas les attirer, à leur montrer, en faisant les lever parce qu'ils ont faim. Non, on ne dit pas un homme qui a faim de se lever. Un homme qui a faim se lève sans être dit. C'est instinctif. C'est instinctif que quand tu as faim, tu te lèves. Tu fais quelque chose. Et si tout un peuple a faim, personne ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi une fois j'avais proposé, j'ai dit, arrêtez d'envoyer de l'argent, de faire des Western Union. Vous allez créer des révoltés. Vous allez créer des révoltes parce que 80% de ce qui les maintient, un peu, vous allez vous diluer ça avec vos cotisations inutiles. Bon, même si vous arrêtez d'envoyer, ils vont ressentir et ce sera dangereux. Avant même d'envoyer, ils mangent. Ils ont déjà le strict minimum en ce qui concerne la famine. Ils ont. Ils bouffent le manioc, ils mangent des mangues, ils ramassent des choses à la poubelle, ils mangent du poisson pourri, la viande pourrie, ils mangent. Donc, le problème chez les Camerounais, ce n'est pas la nourriture, c'est la qualité de vie. Et lorsqu'un homme commence à penser à sa qualité de vie, l'appel à des soulèvements ne suffit plus. Comme puisqu'il pense à sa qualité de vie, il faut que tu penses toi aussi. Que tu utilises une méthode où c'est la pensée. Donc, tu traites avec lui de penser à penser. Idéologiquement. Que tu sois capable de lui montrer que il ne suffit pas que de manger avec 250. Qu'il faut aussi un être humain qui a mangé se déplace. Qu'en 30 km, on peut faire 30 km en 10 minutes. Qu'on peut avoir de l'électricité tous les jours. Qu'on peut choisir ses dirigeants, les dirigeants de son pays. On peut participer à la politique. Mais ça, ça a besoin d'être, de passer par des convictions, ça veut dire pas les moyens de conviction intellectuelle. Il faut éduquer. Lorsque le professeur Niamsi donne ses méthodes, c'est pas de manière anodine. Vous pouvez vous dire je défends le professeur Niamsi parce que non, parce qu'il a parlé des méthodes des intellectuels et il n'a pas cité le nom, mais je sais de quoi il parlait puisque j'ai suivi le professeur Niamsi. Lorsque le professeur Niamsi dit ça, c'est parce qu'il a pris conscience de l'état de la société actuelle. On ne peut pas éduquer un peuple qui a faim. Mais nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ce peuple a faim? Avant de dire ce que nous disons, avant de comprendre, avant d'avancer. On ne peut pas avancer simplement des choses comme ça, qu'un peuple qui a faim ne peut pas être éduqué. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas du Cameroun. Non, ce n'est pas le cas du Cameroun. Beaucoup diront que ce que je dis blanchit le régime, blanchit le Cameroun. Non. Je parle d'une réalité que je connais, que j'ai vécue. Remarquez que il y a plusieurs années de cela, quand moi j'étais au Cameroun, même vous, vous êtes ici. On pouvait se déplacer dans Yaoundé tranquillement.
dans nos familles particulièrement, on n'avait qu'un seul parent qui avait une voiture. Et parfois, c'est la voiture de service. Une seule voiture. Parfois, c'est la voiture de service. Aujourd'hui, dans chaque famille au Cameroun, il y a une personne qui a une voiture. Ce n'est pas forcément le papa. Il y a au moins une voiture. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a au moins une personne qui conduit une voiture. Ça veut dire que le niveau de vie, la qualité de vie s'est améliorée un peu. Elle est meilleure que celle qui était hier. Et ça, il faut le reconnaître. Je ne suis pas en train de dire que c'est le bon vouloir du régime Biya. Ce n'est pas ce que je dis. Le régime Biya est victime de l'évolution. Les petites choses que les Camerounais ont, ce n'est pas de son bon vouloir. C'est l'universel qui fonctionne. Le global qui fonctionne tel en sorte que finalement, on se retrouve obligé d'avoir plus de choses qu'en 1960. Donc, comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire que Biya bien gouverne. Parce que je vous connais. Vous allez se dire demain, oh, ce Kwalé là, bébé joufflu. Maintenant, il dit que, et avant, il disait que, machin. Non, vous ne comprenez pas. C'est très subtil. C'est très, très subtil. Voilà pourquoi je dois éclairer pour vous montrer la vérité. Lorsque nous combattons une dictature, nous devons savoir ce que nous combattons. Nous combattons la dictature comme il y a 200 ans. Comme les gens des autres combattaient la dictature, se révoltaient, ils cassaient les choses, ils cassaient tout. Mais nous ne comprenons pas que les choses évoluent indépendamment de la volonté même de la dictature. Et que nous devons approcher chaque combat, chaque révolution, chaque lutte, dans le contexte, pas hors du contexte. Ça va nous permettre d'avoir les mots justes pour le contexte, qui passe au contexte. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'adhérents. Parce que si vous dites aux Camerounais qu'ils ont faim, ils ne vont jamais se reconnaître dans ça. Et ils vont vous dire que vous êtes des menteurs. Et ils ne mentent pas. Ils n'ont pas faim. Au moment où vous leur parlez, peut-être le gars est en train même de chop un morceau, je ne sais pas, de lion, je ne sais pas quoi. Et toi, tu lui dis que les Camerounais ne mangent pas. Il va rire de toi. Vous voyez? Comment c'est très complexe. Vous pouvez être en train de dire, sortez parce que vous ne mangez pas. Sortez parce que vous ne buvez pas. Sortez. Et puis, eux, ils sont en train de boire. Ils sont en train de manger. D'ailleurs, ils ont l'habitude de vous envoyer des images et des photos pour vous dire, mais vous parlez de quoi? Bonjour, Sylviane Flore. Jira Atangana, hello Yunga. Yunga man, bistu imanok da. Uba Cameroun un politique. Dure, tu rede, kamto is nich de man fu unser land. Jira Atangana dit que je suis tout le temps en train de parler du Cameroun et de la politique. Et que je parle toujours de Kamto, mais Kamto n'est pas l'homme pour notre pays. Mon frère Gérard, il n'y a aucun homme pour notre pays. Il ne s'agit pas d'un homme pour le pays. Mon frère Gérard, il s'agit d'une vision pour le pays. Il s'agit d'un engagement, d'une idée de quelque chose de meilleur, d'un rêve. Et comme tous les êtres humains, sont capables de vision, sont capables de rêver, sont capables d'avoir des idées pour un pays meilleur, sont capables d'amélioration. Alors,
Même toi, Gérard Tangana, tu peux être l'homme du pays, pour le pays. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu peux être l'homme pour le pays. Si Kamto ne l'est pas, tant pis. Mais aie confiance en toi. Tu peux être l'homme du pays, Gérard Tangana. Parce que tu portes ce que Kamto porte en lui. La capacité d'avoir un rêve, des idéaux, l'ambition. Tu portes ce que M. Biya porte en lui. Tu portes ce que Franck Biya porte en lui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Le peuple camerounais n'a pas faim. Le peuple camerounais a droit à beaucoup plus que ce qu'il a maintenant. Le peuple camerounais a droit à beaucoup plus que ce qu'il a maintenant. C'est tout. Et pour qu'il ait beaucoup plus que ce qu'il a maintenant, il faut l'éduquer à beaucoup plus. Il faut amener à sa conscience le beaucoup plus. Parce que ce qu'il a maintenant, c'est ce qu'on lui a amené, qu'on a amené à sa conscience. Je dis que dans les années 60, dans les années 70, 80, pas 60, j'étais pas là, dans les années 80, le nombre de maisons qu'il y avait au Cameroun était inférieur. Le nombre de personnes qui construisaient à Yaoundé et à Douala était partout là, était inférieur. Les gens habitaient encore dans les villages en grande partie. Aujourd'hui, Yaoundé et Douala, les grandes villes du Cameroun sont surpeuplées. Pourquoi elles sont surpeuplées? Parce que la possibilité d'avoir plus s'y trouve. Malheureusement, réduit simplement à Yaoundé et Douala. La possibilité d'avoir un peu plus que ce qu'ils avaient dans les années 60 s'y trouve. Et ils sont allés, pas parce qu'on les a soulevés, on n'a pas fait des lives pour leur dire, allez à Yaoundé, allez à Douala, marche, allez chercher vos biens, allez chercher vos droits. Au contraire, les grands-parents disaient, ouais, tu pars même, ouais, reste ici, qui va encore me faire les champs. Eh, mon Dieu. Jean est parti à Yaoundé, je ne sais même pas où il est parti. Accueille Yaoundé, accueille Angola, accueille Angola. Les villes, les quartiers que vous appelez Ngousso, des trucs comme ça là, c'était des villages. C'était des sérieux villages, c'était la brousse. Quand tu quittais les Ngousso, les Soa pour venir à Yaoundé, on disait que tu disais bye bye à tout le monde, on faisait la fête. On pleure les mains, mon fils pas. Les gens pleuraient. On allait voir les guérisseurs traditionnels pour vous donner des petits jubes et des petits moussoussongo et les trucs attachés pour que vous reveniez. Ça, c'était pour aller ici à côté, à la poste centrale. Mais aujourd'hui, soit fait partie de Yaoundé pour arriver quitter de la poste centrale à soi, certes, ça prend beaucoup de plus de temps que prévu. Ce que ça devait prendre, mais c'est possible déjà. Quand tu as soif, tu dis, on t'appelle, tu es où? Je suis à Yaoundé. Gars, je suis comme ça à Yaoundé. Avant, on ne disait pas ça. Pire alors, si tu étais loin là-bas, à Comde où je suis né, t'es grave. Quand tu dis que tu pars à Kribi, ville, tu quittais à Comde, on faisait des rites. On quittait à pied, dans les pistes de la forêt, pour arriver. Maintenant, il y a au moins des trucs qu'on a grattés, qui ressemblent à des routes, avec plein de boue. Les gens se déplacent maintenant mieux qu'avant. J'avais dit qu'il y a quand même la route pour deux voitures. Avant, il n'y avait même pas la route pour une personne. Pour quitter de l'Olodorf, vous voyez là,
pour arriver à Yaoundé, à Kribi, centre, ou à Ebolova. Il n'y avait même pas la route pour deux personnes, vu qu'on marchait en rang. Vous remarquez un peu comment les pygmées marchent dans la forêt. Puisqu'ils n'ont pas de route, on est toujours en rang. Il n'y a pas de sens inverse. D'ailleurs, nous tous, on va dans la même direction. On se lève le matin, on va tous en forêt chasser. On revient le soir, tous dans la même direction. Il n'y a pas quelqu'un, bonjour, lui David Kamto. Il n'y a pas quelqu'un qui vient du côté contraire. Mais aujourd'hui, vous avez au moins des choses qu'on a débarrassées où deux personnes peuvent passer. Ce que vous appelez des routes. En fait, non. C'est des pistes un peu plus agrandies où deux personnes peuvent passer. Un qui va sur Yaoundé, l'autre qui vient. Même s'ils font 10 heures entre Yaoundé et Lolodorf, ils font 20 heures de route ou 24 heures. Ça ne change pas. Mais ce n'est pas un problème. Mais ils peuvent y faire moins d'eux. Voilà l'évolution qu'il y a eu. Donc, les choses ont évolué. Mais la célérité avec laquelle les choses ont évolué, c'est ça le problème. Il y a le président du mouvement Agir, M. Pender Koka, qui dit toujours, le monde va rapidement et le Cameroun va très lentement. C'est ça le problème au Cameroun. C'est pas que les Camerounais ont faim. Non. C'est pas que les Camerounais n'ont pas de route. Non, ils ont. Mais la qualité des routes n'est pas adéquate au contexte de l'évolution actuelle. Pour une nation, pour un pays, pour un peuple qui se veut souverain, développé, prospère, on ne peut pas se contenter des débris actuels. Ce sont des débris, ce sont des, comment on peut dire, c'est des fœtus en termes de développement ou d'évolution. C'est ça qui fait mal. C'est en fait ça le problème. Avant même, vous ne pouviez pas voter. Maintenant, on parle même un peu que les gens votent. Avant, vous ne pouviez pas voter. Ça veut dire que lorsqu'on choisissait un président, on mettait la patte. Bah! On ne faisait même pas semblant. Maintenant, on fait même semblant. Ça veut dire quelque part, on commence déjà à considérer que les Camerounais, pour qu'on fasse, il faut les tromper. Ça veut dire que pour vous tromper quelqu'un, il faut être conscient que la personne peut réfléchir. Autant d'ailleurs, est-ce qu'on trompait les Camerounais? Quand Biya est venu au pouvoir, est-ce qu'on a demandé la vie Camerounais? Est-ce que maintenant, les Camerounais étaient d'accord, les gens chantaient. Le peu de personnes qui n'étaient pas d'accord, c'était des personnes qui étaient là dans au niveau de l'élite. Ils étaient un petit nombre qui savaient qu'on a truqué, que c'est elle qui devait d'abord gagner, mais Aïdjo a pris, il a volé, qu'on a donné à Biya. C'est maintenant, avec le temps, qu'on apprend que nous, Biya, même là, c'était pas lui qui devait être pris. Avant, vous n'aviez même pas la parole. Nos grands-parents n'avaient pas la parole sur les affaires de gérance du pays. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ce n'était même pas dans leur plan. C'est-à-dire qu'ils naissaient, on les chiait comme ça. Ils sortent, ils tournent dans le village, dans la forêt, ils chassent, ils puisent l'eau, ils engrossent. Sa femme accouche en brousse, on coupe le cordon avec un morceau de bois tranchant. C'est terminé. On continue, une épouse, une femme, d'autres son enfant, d'autres voisins. On sort avec la cousine. C'était ça qui était dans les villages. C'était tout. Le peu de personnes qui allaient à l'ONU nous défendre pour le Cameroun, les discours de l'ONU que vous voyez de Oumniope, ces discours, nos arrière-grands-parents ne sont pas au courant de ça. C'est le peu, les Oumniope, la petite élite qui a vécu ces choses, qui étaient ce qu'on appelle les insiders, qui ont écrit cette histoire. Qui nous ont dit que voici, on a filmé, les petits archives sont sortis. C'est avec le temps que ça s'est fait. Aujourd'hui, pour que le régime Biya puisse continuer,
Il faut qu'il trompe les Camerounais. Ça veut dire qu'il est déjà conscient que les Camerounais, en grande majorité, sont des personnes qui ont pris conscience de certaines choses. À un certain degré. En 82, on a mis Biya et Camerounais chantaient. Oh non, Paul Biya, l'homme de la révélation. Oh, Paul Biya, l'homme du changement, de la rigueur. Maurice Kamto, le président, lui disait lui-même. Vous voyez que même le niveau de conscience de Maurice Kamto, d'éveil sur M. Biya, n'était pas aussi encore trop grande comme maintenant. Puisqu'il a pris son avion le lendemain, dimanche. Parce qu'il avait entendu. Parce qu'il avait entendu que un jeune homme de 49 ans avait pris le pouvoir, ou 49 ou 42 ans, je ne sais pas, était au pouvoir et qu'il proposait, il voulait travailler à ses côtés. Vous voyez, tout le monde a dit waouh. Il y a des gens qui n'étaient pas conscients même qu'un Kamto existait, qu'un Kamto avait pris l'avion. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait 49 ans. Il y a des gens qui voyaient, ils venaient danser, ils applaudissaient. Ah, Botaba Camerounais, Paul Biya, le chef du président, Paul Biya. Il ne faisait pas partie du jeu. Kamto, au moins, son niveau de conscience déjà en 7 ans, lui faisait déjà prendre. Il avait déjà une petite conscience du jeu. La grande majorité des Camerounais étaient conscients. Elle louait encore les chefs. Elle faisait encore des rites. Elle découpait encore les animaux. Ils étaient tous encore des animistes et des chrétiens fidèles. Tout le monde était encore fidèle à un chef, à un prêtre, à un petit. Il y avait encore les catéchistes. Même au niveau religieux. On a commencé à introduire les prêtres dans les villages. Parce que le niveau de réflexion des gens du village a un peu évolué, un peu. Au départ, c'est les catéchistes qu'on envoyait là-bas. Des gens qui n'ont pas, qui ne peuvent même pas exprimer deux mots. Expliquer ce qu'ils lisent, qui lisait encore la Bible en l'envers comme ça. Donc, ils mettent la Bible comme ça. Comme ça. En passant, c'est du play, hein, ceux qui se connaissent. Ils te mettent la Bible. C'est eux qu'on a envoyé là. Parce qu'on sait que de toute façon, tout ce qu'il va dire là-bas, les gens n'auront même pas de questions à poser. Ils vont dire. Ok, donc Gira, donc. Donc, on savait que ce qu'il va dire là-bas, on n'a même pas besoin qu'il aille prêcher l'évangile. Il transforme tout le monde en catholique, en chrétien, en ne sait pas quoi. Et puis, c'est bon. Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer un catéchiste. Il n'y a plus les catéchistes. Les catéchistes n'existent plus. Il semblerait que le papa de M. Biya était catéchiste. Il se baladait. Des trous du Cameroun à un autre trou. Son père était un catéchiste. Mais aujourd'hui, même M. Bialou ne peut pas envoyer des catéchistes dans les villages. Parce que tu vois, un catéchiste, d'abord, il n'y a même plus des gens qui ne savent pas lire. Donc, c'est difficile qu'ils soient catéchistes. Parce que même dans l'église, le dernier ne peut pas accepter qu'il est catéchiste. Comment un gars qui sait déjà lire, pourquoi il ne veut pas devenir prêtre? Pourquoi il ne veut pas devenir archevêque, archidiocèque, machine, quoi? H. En allemand, ça veut dire cul. H. Ça veut dire cul, fesse. Donc, H, cul, quelque chose. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que les catéchistes sont disparus dans les villages. Les prêtres vont au village maintenant parce qu'on a besoin des gens. Merci, Serge. Les prêtres ont besoin des gens. Les gens ont besoin des gens qui peuvent réfléchir maintenant. Tu viens, tu dis quelque chose, tu dois un peu argumenter un peu plus. Oui, on sait déjà que Jésus, ok.
Mais nous sommes fatigués. On n'a pas vu le changement de ça. On ne voit pas ce que Jésus nous donne. On ne voit pas. Nos enfants meurent de dysenterie. Ici, il y a les vers intestinaux, tout ça. Jésus ne nous sauve pas. Donc, tu dois venir avec des arguments un peu plus. Parce qu'ils sont déjà un peu plus éveillés. Qu'il ne suffit pas de simplement chanter les cantiques et de lire les proverbes. Et d'ailleurs, leurs enfants vont déjà à Yaoundé. Donc, ils sont obligés de mentir. Le régime Biya est obligé de tromper, créer une fausse démocratie parce qu'il sait que les Camerounais sont conscients déjà de la démocratie. Parce qu'il sait qu'un bon nombre étaient déjà conscients de la démocratie. Il fallait faire une fausse démocratie. Au moins. Pour dire, vous voyez, bon, je sais que vous êtes déjà conscients de la démocratie, alors je suis démocrate. Je vais ouvrir les barrières, il y aura des multipartismes, il y aura ceci, cela. Les combats de pour le multipartisme, c'était des combats de conscience. Vous ne pouvez pas combattre comme ça si vous avez faim. Et le nombre qui ont combattu comme ça avant est inférieur au nombre qui combat aujourd'hui. C'est algorithmique, c'est mathématique. Il y a plus de combattants contre le régime Biya aujourd'hui. Il y a plus de personnes conscientes aujourd'hui contre le régime Biya. Que ce soit dans les villages, que ce soit la preuve, le président élu Maurice Kamto dit qu'il a dans son discours à la Cour constitutionnelle, vous a donné les coins où il a gagné. Ces coins-là, je vous dis, il y a 50 ans. Il y a même 50 ans, c'est beaucoup. Il y a 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup. Il y a même 15 ans. Ces coins étaient inaccessibles. Donc, tu ne pouvais même pas aller là-bas. Le régime Biya prenait les hélicoptères pour aller là-bas. En fait, on ne partait pas là-bas. Ils ne votaient même pas. Ils ne votaient même pas. En fait, ils n'existaient même pas. Mais les endroits où il a gagné, là, ça veut dire que il est allé là-bas. Et le niveau de conscience des gens là-bas était là pour comprendre, était un peu plus élevé pour comprendre. Je sais que ce que je dis, ça ressemble à un live. C'est pas trop de live, non, comme on a l'habitude de vouloir, comme on veut toujours bien le suivre. On est toujours dans des trucs. Bébé, on m'appelle maintenant bébé joufflu parce que j'ai des grandes joues, vous voyez. Il faut comprendre le monde dans lequel nous sommes pour structurer nos luttes. Les décisions de lutte ne sont pas des fantasmes. Ce ne sont pas des désirs rêvés d'une histoire passée. Non. Il faut savoir ce qu'on fait dans le contexte dans lequel nous sommes. Et à partir de là, créer la tactique ou la méthode de lutte. On ne peut pas répéter des luttes parce que les gens les faisaient avant. Non. On ne peut pas faire des luttes parce que les autres les ont fait de telle façon. Non. Cette mentalité de limitation doit sortir de notre tête. Ça doit sortir. L'imitation. Ça doit sortir. Rose Pélisse, Rose est morte parce que j'ai dit, mais bébé joufflu. Hein? Ça doit sortir. Je vous dis que le niveau d'éveil a augmenté. Et c'est inévitable. La chute du régime est inévitable. Je l'ai dit dans mes premiers lives. Déjà au départ, en 2018, quand je commençais, début 2019, je disais, la chute du régime Biya est inévitable. Parce que la nature des choses, c'est l'évolution. La nature des choses, c'est l'évolution. Regardez, le nombre de morts, même au Cameroun, a diminué.
On peut être là maintenant, on dit, oh, il a tué, c'est vrai, il a tué. C'est pas bon, c'est pas intelligent de tuer. C'est pas intelligent de tuer, surtout lorsqu'on on peut faire autrement. Mais ce que Haïti Joa fait était 10 000 fois plus. La quantité de morts qu'a infligé Haïti Joa en termes de morts objectifs, donc de tuerie de personnes, est 10 000 fois plus. Mais il a tué moins qu'Haïti Joa. Et le prochain qui viendra est supposé tuer moins. Au cas où ce n'est pas quelqu'un de conscient, au cas où quand on vous impose, au cas où vous, les personnes conscientes, vous ne prenez pas conscience en tant que peuple que c'est vous qui devez choisir le style de président prochain. Mais ce qui est sûr, le président prochain, que ce soit votre choix, que ce soit pas votre choix, va tuer moins que M. Biya. Parce que le niveau d'éveil que nous avons entamé encore depuis 2018 fait en sorte que beaucoup de Camerounais actuellement ne peuvent plus accepter certaines choses comme il y a plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Notre souhait ou bien notre lutte devrait-on être là à dire aux Camerounais que le code électoral consensuel a pour objectif de créer des dirigeants qui tuent moins que les précédents. De choisir des dirigeants qui peut-être même ne tuent pas. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est parfait, je ne sais pas. Je ne veux pas entrer dans des blue woo things. Je dis que le code électoral a pour but, c'est une technologie qui a pour but de permettre aux Camerounais de choisir, les Camerounais qui sont déjà conscients, qui ne veulent plus mourir par la violence, qui ne veulent plus mourir par les morts brutales et infligées par peut-être les mauvaises conditions de route, les mauvaises conditions d'eau, les mauvaises conditions d'éducation, les mauvaises conditions de ceci, qui veulent quelque chose de meilleur. Le code électoral est donc la voie idoine. Ah ouais. Voilà ce que nous devons dire au Cameroun. Mais ça demande l'éducation. C'est quoi un code électoral? Pourquoi le code électoral? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voter? Comment doivent-ils faire pour s'inscrire? Quelles sont les pièces qu'ils doivent avoir pour s'inscrire? C'est ça l'éveil. Parce que les Camerounais savent déjà que, oh, ça peut me donner ça peut me donner cela, ça peut me donner plus ceci, plus cela, plus de vie, plus de vie, plus de vie. Parce que l'être humain veut plus de vie. L'être humain veut plus de vie. Les gens ne veulent pas forcément manger plus, hein. Attention. En ces temps qui courent, les gens ont même peur de beaucoup manger. Lorsqu'on dit que les Camerounais ont faim, on extrapole. Parce que moi, je regarde les gens à la télé, ils sont tous gros, ils sont tous bien dodus. Quand je vois les frères au pays, ils sont dodus, ils sont costauds. C'est même nous qui sommes souvent très maigrichons. On vous dit que j'ai les bébés, je vis, mais j'ai rien. Si vous voyez mes petits frères, ils sont costauds. Pouf. Donc le problème, ce n'est pas que les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont besoin de qualité nutritive, d'une bonne qualité de nourriture. C'est tout. C'est pas que les Camerounais manquent d'eau. Ils ont besoin d'une eau qualitative. C'est pas que les Camerounais n'ont pas d'électricité. Ils ont besoin d'une électricité courante qui est constante. C'est pas que les Camerounais manquent de routes. Ils ont besoin de routes qualitatives. C'est pas que les Camerounais manquent d'écoles. Ils ont besoin des écoles et d'éducation qualitative. C'est pas que les Camerounais manquent de santé. Ils ont besoin de soins de santé qualitatifs. Parce qu'ils ont encore beaucoup les débris.
Voilà le message, voilà comment on doit approcher la chose. Là, même le Camerounais qui est dans le régime reconnaît que ce que tu dis est intelligent parce qu'il peut regarder sa propre vie et dire oui, c'est vrai. Même s'il est en train de mordre un morceau de, je ne sais pas quoi, de poulet pané ou quelque chose, les nourritures que vous appelez les nourritures qui ne sont pas bio, il te suit, il dit c'est vrai, je mange, c'est vrai, je mange. Mais est-ce que je mange là vraiment, c'est les AVC que j'ai en train de me chercher? C'est ça? Il a raison. Quand il roule dans la voiture, il voit les casser. Il dit c'est vrai qu'il y a la route qui n'est pas bonne. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais si tu te dis que c'est en dénigrant, en disant que non, vous n'avez rien, vous êtes affamé, vous êtes ceci, et voilà pourquoi vous devez vous lever. C'est une bonne intention, mais c'est une erreur en psychologie. C'est une erreur de compréhension. Ça crée... Gérard a posé une question. Il dit que ce n'est pas une injure, mais que tous sont que nous sommes tous des peureux. Que la question est actuellement, pourquoi notre président, M. Paul Biya, bon, son président, est-il méchant? Pourquoi on le traite de méchant? Parce qu'il est vieux. Le monsieur, je vais lui répondre en disant, monsieur, mon frère Gérard Tangana, monsieur Biya n'est pas méchant parce qu'il est vieux. Il est méchant parce qu'il est ignorant. Parce qu'il y a les jeunes méchants. L'ignorance rend méchant. Monsieur Biya est méchant parce qu'il est ignorant de beaucoup de choses. Peut-être qu'il connaît les droits plus. Donc, ce sont des tactiques... pour se cacher, des tactiques pour me faire à moi comprendre. En fait, il veut me faire comprendre qu'il me connaît personnellement, peut-être qu'il est dans le même pays que moi. Et c'est une façon de s'approcher à moi, en fait. Il veut se sentir plus proche de moi et moins proche de vous. C'est une façon de se séparer de vous et de vous donner, de vous faire croire, vous faire savoir que si c'est à moi qu'il s'adresse particulièrement, il ne veut rien avoir à faire avec vous. Et c'est ça le malheur de tout ça, de toute cette chose-là. Mon frère Gérard, à Tangana, il ferait mieux que tu questionnes en français pour que les autres comprennent et que les autres puissent avoir, gagnent quelque chose. Parce que je me dis, tu veux vraiment communiquer quelque chose de très important pour que nous te comprenions, pour que je te comprenne aussi. Mais moi, je ne pourrais pas te comprendre seul. J'aimerais que les autres te comprennent aussi. Sinon, je ne veux pas être exclusif. Tu vois, moi, je fais dans la politique inclusive, la politique, la consciente politique. Et c'est l'ouvrage que je suis en train de mettre sur pied. Et le titre de l'ouvrage, c'est Conscience politique. Quelque chose, ça se dit, ça sonne waouh, 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 n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, vous aurez des réponses à des questions, les multiples questions que vous vous posez d'habitude et que nous nous posons tout le temps, dans lesquelles, c'est un livre questions-réponses, dans lesquelles les questions sont posées et les réponses sont données. Donc vous allez vous sentir vous-même participant de ce livre, vous aurez l'impression que vous êtes en conversation avec des gens et, ou quelqu'un, et ça sera vraiment très, très, c'est comme ça que je suis en train de le concevoir, ça sera vraiment très interactif. Donc, vous allez le lire et vous allez avoir l'impression que vous êtes en conversation avec quelqu'un. C'est très intéressant. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, que l'heure est arrivée à comprendre que nous devons appeler les Camerounais à plus d'éducation. Nous devons plutôt investir dans l'éducation actuellement. Parce qu'un homme ne se lève pas parce qu'il est appelé à se lever. Un homme ne se lève pas parce qu'il est appelé à se lever. Un homme se lève parce qu'il est motivé de l'intérieur à se lever. Je vous dis que si les Camerounais avaient faim
il se lève. Il se serait levé sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Il y a eu des manifestations en 2008, si je ne me trompe pas. Les Camerounais se sont soulevés. Qui les avait appelés à se soulever? Parce que le prix du pain était devenu tellement cher. Le tout était devenu cher qu'ils avaient faim. Intuitivement, ça sortit de leur trip. Ils se lèvent. Ils se sont levés. Mais le truc, c'est quoi? C'est que nous confondons ces soulèvements à des révolutions. Parce que nous disons, ok, voilà, les Camerounais s'étaient levés une fois. Les Camerounais doivent encore se lever. Ils cassent, ils brûlent. Non. Les Camerounais n'étaient pas levés pour changer quelque chose d'aussi grand. Les Camerounais voulaient faire une réforme. Ils avaient besoin qu'on baisse le prix du pain, le prix de l'essence, je ne sais pas quoi, pour qu'ils mangent. Et le régime les a écoutés. On a baissé tout, plap. Maintenant, ils mangent. 250, ils mangent. On nous a dit, ils mangent le riz, le poisson, et je ne sais pas, un peu du haricot. Assez pour rester debout. Ici, il s'agit de révolution. Révolution profonde. Ça veut dire que transformation du système de la société dans sa profondeur. Lorsqu'on dit qu'un changement est brusque, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit la révolution est un changement brusque. Brusque ne veut pas dire brutal. La révolution, le mot brusque ne veut pas dire brutal. Par exemple, vous pouvez brusquement avoir la nouvelle qu'on vous a dit que vous avez gagné 10 millions d'euros par la loterie. Cette nouvelle est brusque. Bam! Elle vous surprend. Vous ne vous attendiez pas à avoir. Vous jouez à la loterie juste comme ça et puis, pouf, c'est vrai. Mais brutal. C'est autre chose. La révolution n'est pas un changement brutal. C'est peut-être un changement brusque, mais pas un changement brutal. Mais pour que quelque chose de brusque, pour qu'on considère que cette chose est brusque, il faut qu'on ne soit pas conscient des phénomènes qui ont mené à cette chose. Les phénomènes qui mènent à ce que nous appelons brusque en général sont très lointains. Mais nous ne sommes pas souvent conscients. Des phénomènes physiques. En ce qui concerne la politique, nous ne sommes pas conscients des événements et des rafistolements, des relations, des choses qui se créent dans l'ombre politique pour mener à des révolutions que nous constatons comme brusques. Donc, on ne peut pas argumenter en disant aux populations, la révolution est un changement brusque, comme ça veut dire que ça tombe du ciel, bam! Il y a des gens, des amis avec qui je cause souvent, qui me disent, ça me fait souvent rire, quoi, qui me disent que, ouais, parfois je me lève le matin, je regarde mon téléphone, je veux voir, si je peux seulement voir que le peuple s'est soulevé. Tellement cette affaire, tellement. La soif du changement est tellement le cœur des Camerounais que. Ils amènent même la religion dedans. Ils veulent le miracle. Ils veulent voir quelque chose se passer sans qu'ils ne sachent pourquoi et comment. Bonjour, Conchou. Ah, c'était parce que tel s'était associé à tel. En 2018, ils ont fait ceci. En 2014, après l'a rencontré. En 2019, tel a rencontré. Après, ça a donné ceci. On peut nous-mêmes écrire déjà l'histoire sans qu'on nous apporte l'histoire écrite dans un livre. C'est ça la magie de la technologie. Donc nous ne pouvons plus approcher les révolutions de la même façon. Il faut juste qu'on soit attentif. Maintenant, nous pouvons voir où ça a commencé. Et nous pouvons vous dire où ça va vous mener. Nous pouvons nous dire à nous-mêmes où ça va nous mener. Maintenant, nous pouvons nous engager pour une vision. Par exemple, avant, il n'y avait pas de vision politique, il n'y avait pas. Regardez un peu l'un des politiciens qui a fait mouche encore au Cameroun, avant Kamto. C'est qui? C'était John Fundi. Quelle était la vision politique de John Fundi? Quelle était la vision
le projet politique de John Fundi. Qui peut dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en avait pas. Personne n'était au courant. On ne savait pas. Pourquoi? C'était même John Fundi qui était choisi. Personne ne sait. Pourquoi? On allait juste avec nos instincts animaux, nos pulsions animales. La preuve, les slogans de partis politiques étaient bizarres. Akacham, no, aholam, akacham. Rouge, akacham, aholam. Vous voyez? Ça ne nourrissait que les pulsions, notre agressivité, notre animosité. Lui-même, il a senti que ça nourrissait tellement l'animosité des personnes que lui-même, il a abandonné l'affaire. Il a dit à Bia, prends tes choses. Je ne veux pas supporter l'agression des gens. Eux-mêmes vont me bouffer moi-même. Il a dit, je voulais t'arrêter. Je devais t'arrêter. Eux-mêmes, ils ont dit non. Mais aujourd'hui, vous pouvez lire les programmes politiques. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez apprendre, vous pouvez regarder la vision politique de l'homme politique. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez fouiller. Qui connaissait le programme politique du régime Biya? Qui connaît le programme politique de M. Biya? Quelle est sa vision politique? Qui connaît? Demandez à vous-même et aux autres Camerounais, qui peut vous dire qu'il a lu un jour le programme politique du RDPC? Ceux qui vont voter le RDPC ou bien qui vont dans cette affaire, c'est juste des personnes qui fonctionnent par pulsion animale. Il suffit de dire un mot. Tu dis la force, la puissance. Ou tu dis l'expérience de la force. La force de l'expérience. Il suffit que tu dises les mots. Parce que c'est ce qui, beaucoup de personnes qui adhèrent encore à ces choses, à ce parti politique ou bien à cette façon de faire, c'est des personnes qui sont nées dans des familles dont les parents étaient servis et éduqués par des catéchistes. La majeure partie ont encore le mental de catéchiste. Donc, les mots les balancent encore. Donc, si tu dis peut-être la force, la puissance, il dit, oh, la force, la puissance, l'expérience de la force, émergence, projet structurel, wow, les grands mots. Aujourd'hui, nous pouvons aller lire les programmes des partis politiques, des prétendus leaders politiques. Nous pouvons nous imbiber de la connaissance. Nous pouvons nous rapprocher. Nous pouvons nous-mêmes intégrer les partis politiques. Avant, c'était difficile d'intégrer un parti politique. Pendant qu'on passait le temps à entrer dans les réunions, les réunions de village et les réunions, ça a déstructuré. Et vous savez, il y a un problème dans les partis politiques. La cotisation des membres. Les membres n'arrivent pas à cotiser dans les partis politiques aujourd'hui. Et voilà un travail qu'il faudra faire. Dans les partis politiques, les adhérents ont la peine à cotiser les cotisations mensuelles. Si tu laissais le régime Biya sans qu'il ne trempe la main dans les caisses de l'État, je vous assure que le RDPC aura aussi disparu. Pourquoi les Camerounais ne cotisent pas, ne paient pas leurs cotisations? Qui sont, tu vois, les cotisations minables? Moi, ceux qui sont minables. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer les cotisations. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les cotisations. C'est qu'ils sont habitués, comme avant, ils allaient dans les tontines. Dans la tontine, quand tu mettais ton argent, tu savais que c'est toi qui allais gagner. Tu savais que ça allait te revenir, on allait te donner, tu pouvais faire un prêt là-bas.
dans le parti politique, quand tu donnes l'argent, ça ne te revient pas. Tu ne sais. C'est maintenant que les Camerounais commencent à adhérer au parti politique. Parce que dans les partis politiques, le fonctionnement de donner l'argent est différent. Les raisons pour lesquelles on donne l'argent est différent. Sont différentes. Dans la tontine, vous allez voir les mêmes Camerounais dans les tontines. Là-bas, on dit même cotisation 100 000. Ils donnent 100 000. Mais ils entrent dans les partis politiques, on dit cotisation mensuelle 10 euros. Ils vous font des années sans payer. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que la structure mentale n'est pas encore vraiment sortie du Moyen Âge dans lequel. Mais déjà le fait qu'on adhère plus dans les partis politiques, c'est déjà beaucoup. C'est déjà important. Il n'y avait qu'un seul parti politique qui se baladait partout. Tout le monde portait les habits du RDPC. Qui n'a pas porté un t-shirt ou bien un caleçon du RDPC? Il y a des gens qui avaient mis des caleçons au fait, c'est la photo du RDPC, de M. Biya. Aujourd'hui, vous pouvez porter des écharpes de MRC, vous pouvez porter pour l'UP. Il y a maintenant un peu tellement. C'est la richesse. Et on peut avoir beaucoup plus. Et on peut construire beaucoup mieux. Et on peut devenir les meilleures versions. On peut devenir le premier pays démocratique au monde. On peut devenir le premier État de droit en Afrique centrale ou au Cameroun. Ça a besoin de beaucoup plus d'éveil, beaucoup plus de travail. Comme ont commencé nos prédécesseurs, ça doit continuer. Les Camerounais se soulèveront lorsqu'ils trouveront une raison valable de se soulever. Le président élu Maurice Kamto, quand il est arrivé à Paris, avait dit, nous allons puiser cela dans nos fonds profonds intérieurs, dans les profondeurs de notre être. Il n'a pas dit de manière anodine. Et bien, il dit qu'on n'a jamais porté un soutien avec deux têtes de poule bien accrochées ici. Ça veut dire que même lorsque vous voulez que les Camerounais portent des armes, portent des cailloux, que les Camerounais se lèvent pour casser, vous devez les convaincre. Ça doit venir. Vous devez toucher ce qui est au fond d'eux. Allez chercher ce qui est au fond d'eux qui les empêche à se lever et à prendre des armes. Et la recherche de trouver ce qui est au fond d'eux, c'est ça l'éducation. L'éducation n'est pas une école où les Camerounais vont aller et ils vont s'asseoir et être éduqués. Non, l'éducation, c'est tout ce que nous faisons pour pousser les Camerounais à les puiser au fond d'eux. Donc, même Calibri, lorsqu'il prend les lives, mon frère Calibri, lorsque tu prends ton téléphone tous les jours, on coupe, tu recommences. Lorsqu'on coupe, tu recommences, c'est parce que tu veux éduquer les Camerounais. Tu es dans le processus d'éducation. C'est que toi-même, tu ne considères pas ce que tu fais comme éducation, en fait. Malheureusement, c'est ça. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de refuser qu'on doit faire. Il est en train d'éduquer. Et en même temps, il dit, l'éducation, ça ne marche pas. Gens qui ont faim. Pourtant, il est en train d'éduquer. Éduquer ne veut pas dire prendre un cahier. Et un bic, prendre la crêpe, se passe au tableau. Non. Éduquer veut dire puiser ce qui est au fond des gens et ressortir. Provoquer ce qui est au fond des gens et le faire ressortir. Éducar. Éducare. Ça ne veut pas dire. Gérard dit que j'ai juste une question. Bon, en fait, il n'a pas posé la question. Il a dit qu'il a juste une question, mais il n'a pas posé la question. Il dit, avec tout le respect, et Maurice Kamto, mon frère, mon ami, avec son parcours politique, je ne crois pas en Kamto. Je ne crois pas en Kamto, n'est pas à la hauteur pour diriger le Cameroun. Voilà, ça, ma vision. Non, ta vision, ce n'est pas que Kamto n'est pas à la hauteur pour diriger le Cameroun. Si c'est ça ta vision, c'est que tu es pauvre en vision. La vision, ce n'est pas les souhaits.
pas des souhaits. Il faut fonder ce que tu dis, Gérard Tangana. Il faut fonder ce que tu dis. Pourquoi il n'est pas à la hauteur pour gérer le Cameroun? Quels sont les manquements que toi, tu penses qu'il a pour gérer le Cameroun? C'est comme ça qu'on structure son idée. Tu ne peux pas dire, je pense que... Parce que ce que tu dis là, peut-être ça peut être... C'est ta grand-mère qui t'a demandé de dire. Peut-être c'est parce qu'à force, à force que tes oncles le disent, que tu le dis, à force d'avoir suivi dans les chaînes de télé que tu suis, les gens que tu aimes dire quelque chose, tu répètes. Rien ne prouve que ça émane de toi. Donc, il faut toujours te poser la question. Moi, quand je dis quelque chose, quand si je dis que j'ai, je pense que tel, quels sont les arguments? Si on me pose la question, pourquoi je dis ça, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je te pose dans la question, pourquoi tu penses comme ça? Tu peux aller. Lily Conchou, tu t'adresses à qui? Tu as quelle solution pour venir juger le boulot qu'il a déjà bâti jusqu'ici dans la résistance? Lily, tu t'adresses à qui? Il y a Urbain Foku Chofo qui dit les Camerounais. Les Camerounais sont aveuglés par le tribalisme. Le tribalisme est un voile, oui. Le tribalisme, c'est quelque chose de brouillant. Le tribalisme, c'est la conséquence de quelque chose. Le tribalisme n'est pas une cause. Le tribalisme, c'est la conséquence. Si on retire la cause, la conséquence va disparaître. Le tribalisme, c'est le fait que les Camerounais n'ont pas encore trouvé une raison qui est plus grande que l'idée de vivre dans leur tribu. Ils n'ont pas encore trouvé refuge. Quelque chose qui les pousse à avoir refuge dans quelque chose de plus grand que la tribu. Pour ça, il faut donc éduquer les Camerounais. Il faut donc éduquer les Camerounais. Les Camerounais, le tribalisme, c'est le refuge d'un homme dans sa tribu. Le tribalisme, c'est lorsqu'un homme a trouvé refuge, que le seul refuge qui le maintient, dans lequel il peut vraiment être en sécurité, c'est sa tribu. Il devient automatiquement tribaliste. Le tribalisme, c'est l'enfermement dans la tribu, dans le cocon qu'on appelle la tribu. Et pour que ils sortent de la maison qu'il appelle sa tribu, il faut que dehors, il y a quelque chose de plus valeureux que ce qu'il a dans la maison. Il faut qu'on l'attire dehors avec quelque chose de plus valeureux que ce qu'il y a dans la maison. Comment ça vous est déjà arrivé? Vous voyez, vous êtes dans la maison. Et quand je ne sais pas ce qui s'est passé dehors, vous rentrez en courant dans la maison. Yeah, maman, on m'a tapé. Il n'est pas plus. La mère dit, non, ça va mon chou, ça va mon bébé. Non, il n'est pas plus. T'es qu'il est méchant. Ok. Après, vous regardez à la fenêtre, vous voyez comment ils sont en train de jouer au ballon. Ou bien, et à la corde. Et ils crient, ils dansent, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils expriment, ils vivent. Vous ne pouvez pas vous retenir en tant qu'enfant dans la maison. Ce qui est dehors est plus alléchant que ce qui est dedans, que les cuisses de votre maman. Et c'est comme ça que tout enfant retourne toujours après la bastonnade dehors. Parfois, il rentre se ressourcer, mais il repart dehors.
Donc, il n'y a pas le problème à avoir une tribu. Le problème est de ne pas être capable de ressortir. Il n'y a pas de problème de rentrer se ressourcer, parler son patois, manger sa nourriture, être avec les gens de son village ou bien de sa tribu. Il n'y a pas de problème à ça. Le problème est que on a fermé les portes, on est bloqué à l'intérieur, on n'arrive pas à sortir. Et on n'arrive pas à sortir, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne voit pas ce qui est dehors là, qui est plus alléchant que d'être dans nos cases tribales. Et c'est donc ce que proposent tous ceux qui veulent le changement au Cameroun. Nous proposons une vision. C'est comme ce jeu qu'on fait dehors là. Un plan. Le code électoral consensuel. Pour que le jeu dehors soit... Le jeu qu'on va jouer dehors, quand vous sortez de vos villages, le jeu que vous venez jouer dans la nation, la cour nationale, soit un jeu équitable, que personne ne soit menacé, tapé, cassé, pour fuir à l'intérieur. Que ce soit un jeu consensuel, où toutes les parties jouent, où les enfants jouent, et on respecte les règles du jeu. D'où l'importance de regarder le code électoral, qu'il faut qu'il soit consensuel. Sinon, si ce n'est pas fait, le tribalisme, c'est simple. Ça sera la raison de vivre. Je veux dire, les tribalistes, c'est des gens qui ne voient pas l'intérêt dehors. Les tribalistes, c'est des gens qui ne comprennent même pas que le code électoral consensuel dont appellent les partis d'opposition avec à leur tête le président Maurice Kamto. Ce code électoral est important parce qu'il va définir le jeu dans la cour nationale. Ça veut dire, imaginez-vous un peu le Cameroun comme un village avec beaucoup de cases, les cases comme étant des tribus de ce village. La cour commune, c'est la nation. Donc, tout le compartiment, tout cet espace, c'est la nation. Pour que tous les Camerounais se retrouvent dans la cour commune, ils ne se cachent pas dans les cases, il faut que dans la cour commune, qu'on ait des règles qui nous permettent de vivre aisément dans la cour commune, qu'on ne se comporte pas comme dans nos cases. Il faut qu'on ait des règles qui permettent qu'on prenne en compte les intérêts de celui qui sort de la case A, la case B, la case C, la case D, la case... C'est simple intelligence. Dans le code électoral consensuel, c'est les règles du jeu pour partager la cour commune qu'est le Cameroun. Et elles ne peuvent qu'être alléchantes si elles prennent en compte tout le monde, toutes les cases, tous les participants de toutes les cases. Et lorsque cela est vraiment bien fait, personne ne va chercher à aller fuir, à aller se cacher dans sa maison. Il fuit quoi dehors? Dehors, personne ne lui veut du mal. Tout le monde œuvre pour son bien dehors, de manière directe ou indirecte. Lorsque dehors, dans le pays, je travaille, je paye les impôts, ça sera pour que celui qui ne travaille pas puisse profiter au cas où. C'est pour profiter pour les hôpitaux, les routes, l'électricité, pour profiter pour que la vie soit bonne, pour l'éducation. Dans un système comme celui camerounais actuellement, les impôts ne sont même pas payés. Le revenu d'impôt est trop inférieur. Parce que lorsque les gens ne se sentent pas inclus dans la nation, en général, ils restent dans les cases. Ils restent dans les cases, ils cachent des choses dans les cases. Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a dans les cases de vos voisins. Ils commencent à faire du business dans la case. Ils se mettent à la fenêtre, ils posent une banane. Tu viens, tu passes la main à travers la fenêtre. Il prend l'argent, ça ne sort jamais. Tu ne sais même pas la main qui est en train de prendre l'argent. On ne connaît rien. Parce que rien n'est mis dehors dans la cour. La gérance du pays n'est pas mise dans la cour. Elle ne pourrait être mise dans la cour que s'il y a le code électoral consensuel. Un système électoral qui est fiable pour tous les Camerounais. C'est inévitable.
Lorsque l'argent entre par les fenêtres des cases, il y a des détournements d'argent. Il y a les fuites fiscales. Et lorsqu'il y a des fuites fiscales, des détournements d'argent, lorsqu'il y a des détournements, vous manquez d'eau, vous manquez d'électricité, vous manquez de choses de base qui sont adéquates à au niveau de vie actuel. Vos besoins de 1960 ne sont pas vos besoins actuellement. En 1960, vous aviez besoin de manger. En 2021, vous n'avez pas besoin que seulement de manger. Vous avez besoin de boire, de lire, d'apprendre, de voyager, de travailler, de voir du monde, d'échanger avec les autres à travers les réseaux sociaux. Vos besoins aussi évoluent. Nous ne disons pas que vous n'avez rien. Nous disons que ce que vous avez est très peu. Ce qu'on vous a donné actuellement est très peu. Ce qu'on vous a permis de faire actuellement est très peu par rapport à ce qui est possible actuellement. Voilà pourquoi nous nous parlons. Voilà pourquoi nous, qui appelons à un rétablissement de véritable état de droit, une réelle démocratie. Nous qui appelons à un code électoral consensuel, la révision d'un système, un code électoral consensuel. De tout ça, cette révision de tout ça, c'est parce que nous avons compris que c'est important pour toi et pour moi. C'est important pour nous. C'est le point de départ pour réaliser nos rêves, nos ambitions, nos besoins, nos désirs. Hubert Foucault dit, mon cher frère, au Cameroun, le tribalisme est instrumentalisé par les intellectuels. Ils font de l'obscurantisme pour maintenir le peuple dans l'ignorance et la misère. Pour faire l'apologie du tribalisme, moi, Hubert Foucault, le problème que j'ai avec souvent ce genre d'approche, c'est qu'elles sont juste, accusatives. Ça veut dire, on accuse que c'est l'église, on accuse. Moi, ce que je suis en train d'expliquer est fondamental. Je ne veux pas accuser quelqu'un parce que le tribalisme est fait par tout le monde. Il peut avoir de l'impact seulement lorsque c'est un intellectuel qui ouvre sa bouche dessus. Parce que l'intellectuel est vu là-bas au pédestal. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se répand un peu partout. Mais le tribalisme est fait même dans les quartiers, dans les maisons, dans les foyers. Des foyers qui vous disent qu'ils ne sont pas pour le tribalisme. Un gars, Betty, épouse une femme, Bamileke, ils vivent. Mais il y a le tribalisme là. Ce n'est pas un tribalisme d'État. Le tribalisme, que ce soit celui de l'État qui le fait, que ce soit un intellectuel qui le fait, que ce soit une femme du village qui le fait, le tribalisme reste le tribalisme. La question qu'on doit se poser, c'est comment comprendre le tribalisme et comment sortir du tribalisme? Qu'est-ce qui nous rend tribalistes et qu'est-ce qui pourra nous faire sortir du tribalisme? Et c'est dans ce sens que moi, je réfléchis. Ce que Hubert dit, on le dit dans les chaînes de télé, on le dit dans les médias, on le dit dans les réseaux sociaux, on le dit partout. On répète ça et puis le tribalisme continue. Le tribalisme continue parce que ça n'a rien changé. Gérard dit, comment allez-vous me convaincre que M. Kamto c'est l'homme de l'heure au Cameroun? C'est une équation très difficile et pas possible. Gérard Tangana, je n'ai pas besoin de te convaincre. C'est l'homme de l'heure. Je n'ai pas besoin de te convaincre qu'un homme est un homme de l'heure. Parce que ça n'existe pas un homme de l'heure. Tu dois être capable de te convaincre toi-même. Quel est l'homme? Ou bien quelles sont les idées? Qui sont les idées de l'heure? Quelles sont les idées qui sont les idées de l'heure? C'est ça le plus important. Quelles sont les idées les plus productives de l'heure? Quelles sont les idées les plus intelligentes, sages, les plus rationnelles, les plus
clairvoyante de l'heure en politique. Et tu t'as, si c'est que tu es clairvoyant, tu es rationnel, tu es objectif, tu vas adhérer. Tu vas dire oui, ça c'est l'idée. Tu ne vas pas dire oui, ça c'est l'homme. Tu vas dire c'est les idées. Maintenant, puisque chaque idée est portée par un homme, ton cerveau fonctionne par association. Tu vas dire l'homme-ci est l'idée qu'il a donnée. Cette idée-là est meilleure. Alors cet homme-ci fait partie de l'option dont je pense. C'est tout. On ne peut pas. Je ne peux pas te prouver que comme tu es l'homme de l'heure. Pourquoi te prouver que comme tu es l'homme de l'heure? C'est stupide. C'est un peu comme demander. C'est ce que les gens du RDPC passent le temps à faire. On vous dit que bien l'homme de l'heure. Il est l'homme de l'heure. Pourquoi? Ah, parce qu'il a l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'expérience? Oh, parce que. Il est puissant, parce qu'il est fort, parce qu'il a l'armée avec lui, parce qu'il a le bire avec lui, parce qu'il a d'autres. Ces raisons ne sont pas objectives. Et on a gardé pendant plusieurs années un monsieur qui ne fout rien à la tête du pays parce que pour nous, il était l'homme de l'heure. Non, il n'est pas question d'homme de l'heure, il est question d'idée de l'heure. Et chaque Camerounais doit se faire. Toi, Gérard, tu dois te faire une idée de ton Cameroun de l'heure. Tu dois te faire une vision de l'heure. On ne va pas te l'apporter, tu dois la construire. Tu dois ressentir ton Cameroun. Tu dois voir ce que tu aimerais pour le Cameroun. Quel est ce que tu aimerais faire pour le Cameroun. C'est ça que tu dois. Et maintenant, quand tu auras ça, tu vas voir. Cette lumière va te mener partout vers les personnes qui ont la même vision que toi. C'est comme ça que c'est. Mais si tu n'as pas de vision, on va mettre n'importe quoi à l'intérieur. Et demain, tu vas dire, on m'a trompé. C'est un peu ce que Anango a fait. Anango vient faire une vidéo. Il m'a même tagué sur un post, il a mis mon nom là-bas, il tague pour que je réponde, je n'ai pas partagé le post. Il m'a sur une vidéo où il dit, oh, il demande pardon. Anango demande pardon à Monsieur Biya, pourquoi? Parce que Anango n'avait jamais pris le temps de faire ce travail personnel. Quelle était sa vision du Cameroun? Maintenant, il s'est fait, lui, il a dit, il s'est fait enrouler par un mouvement, par les trois, quoi. Finalement, c'était une victime. Anango est une victime. Comme beaucoup d'autres Camerounais stupides, des victimes. Je ne suis pas en train de dire que casser les ambassades est une bonne chose. Je dis que le fait qu'il aille demander pardon et il raisonne que c'est parce qu'il a été entraîné, ça prouve que c'est quelqu'un qui n'avait pas fait ce travail. Son intérieur était vide de sens. Et n'importe qui est venu jeter quelque chose dedans. Il est même entré dans ça. Aujourd'hui, je regrette que un homme qui prend ses responsabilités ne regrette pas. Il fait ce qu'il a à faire. Et il fait correctement. Mais les irresponsables regrettent tout le temps. Parce qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils font ce qu'on leur oblige de faire. Pas parce que cette chose-là, ils avaient déjà construit ça en eux, non? Donc, pour moi, Anango, c'est un jeune irresponsable. Ça se voit. Et je l'ai toujours vu comme ça. Anango, c'est un jeune homme irresponsable. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de voir les choses. Il peut avoir l'intention, l'envie de faire bien, mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Les actes prouvent que tu es responsable ou pas. Merci de m'avoir suivi ce matin. Je pense que j'ai terminé. À moins qu'il y a des gens qui aient des questions sur ce que j'ai dit. Et j'espère que Calibri va écouter ma réponse à ça. Il n'y a pas que Calibri. Beaucoup de gens pensent pareil. Seulement que Calibri a la capacité de s'exprimer. Et je pense que c'est très important, l'éducation. Et Albert a dit quelque chose de très important. Il dit, même un esclave, pour s'affranchir, doit être conscient de sa situation d'esclave. Ça veut dire que la conscience doit d'abord être là. Il doit d'abord avoir prise de conscience. Et prise de conscience ne se fait pas autrement qu'avec l'éducation. L'éveil des consciences. C'est quand la conscience s'éveille qu'elle prend conscience. Merci à vous.
bon après-midi, bon jour de repos. Bon, moi je vais continuer à faire des activités qui sont aussi personnelles. Et ceux qui aimeraient changer, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, laissez des questions inbox dans ma page et on pourra répondre aux questions, on pourra échanger. Je vais laisser les caméras ouvertes et les personnes qui ont posé les questions peuvent participer au live en caméra de telle sorte qu'on puisse avoir des interactions un peu beaucoup plus proches, intimes. Merci, c'était Kwale, prenez soin de vous, on se prend à la prochaine. Ciao.